Allez, c'est parti. Voie d'accélération. Deuxième. Vérifie s'il y a des pilotes qui arrivent. Il y en a un sur ma droite. Je fais attention de ne pas couper la trajectoire de celui qui pourra arriver derrière très vite. Et j'arrive dans ma grande ligne droite. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et je vais freiner sous la passerelle. Très gros freinage. Où je fais sixième première. Je m'applique à bien venir chercher la corde pour faire une belle accélération. Je m'écarte. Pour moi, prendre la bosse. Je freine sous la passerelle et je déclenche très tard. Accélération pour arriver dans le 180. Un virage qui se referme, que je vais négocier en deuxième. Je m'applique à bien venir chercher la corde. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je rentre en troisième dans la chicane pour arriver au château d'eau en seconde. Je m'applique à bien venir chercher la corde pour réaliser une belle accélération et déclencher très tard. Freinage très difficile où il ne faut pas rater la corde pour arriver dans la dernière chicane. La chicane des stands. Deuxième, troisième, quatrième. Et je m'applique à rentrer tard. Venir chercher la corde, réaccélérer. Pour rentrer dans le Estoril. Avec mon filet de gaz, je m'écarte. Et je m'applique à bien venir chercher la corde. Pour réaliser une belle accélération. Dans cette grande ligne droite qui n'en est pas une. Cinquième, sixième. Et je freine sous la passerelle. Ah, je m'écarte un peu, la fourche n'est pas très bonne, c'est pas la même moto. Voilà, là je vais freiner sous la passerelle. Je vais déclencher très tard. Il faut être très vite sur le changement d'angle. Et je rétrograde avec un freinage sur l'angle. Je m'applique à venir chercher la corde. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Je freine sous la passerelle. Et je lâche les freins. Pour venir chercher la corde. Et faire une belle accélération. Avant d'arriver au château d'eau. Voilà, je viens bien chercher la corde. Et je m'applique à bien me placer pour faire une belle accélération. Et rentrer très tard. En freinage très difficile. Qui a tendance à nous extérioriser un petit peu. Mais mieux vaut freiner un tout petit peu plus tôt. Que trop tard et mal se placer. Ligne droite des stands.